nous allons passer à la délibération numéro 3 concernant le vieux Rouen et le bornage d'une parcelle de l'impasse principale. On peut avoir l'explication avant que les questions fusent. On va peut-être présenter la délibération. Ouais, on va laisser M. Dupont. Donc, M. Truchy, habitant du Vieux-Rouen, est en possession d'un terrain pour lequel il a déposé une demande de faire un permis d'aménager pour faire l'eau. Dans sa procédure, donc il a fait appel à un géomètre pour borner et créer ses lots. J'ai eu convocation de la part du géomètre pour avoir une entente amiable sur la délimitation du domaine public et du domaine privé. Donc on s'est entendu sur une ligne qui couvrait la clôture, une haie présente en bordure de terrain. Et après cette rencontre, lorsqu'il a préparé le PV, le géomètre s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies cadastrales qui remonte, donc c'est détaillé dans son courrier que vous avez pu voir, hein, qui remonte du temps du remontement, plus des différents transferts, lors des différents transferts de propriété. Donc une partie du terrain qu'a acquis M. Truchy en bonne foi, en fin de compte, c'est du domaine public. Comme une partie du domaine public qui est délimitée aujourd'hui dans le cadastre et en fin de compte inhérent au domaine au bien de M. Truchy. Donc pour pouvoir progresser dans ces travaux, le géomètre a besoin que soit régularisé, remis en conformité le cadastre. Pour qu'il soit remis en conformité, il faut qu'il y ait acte notarié, donc mettre le gros. Parce qu'il y a une délibération qui l'autorise et qui marque notre accord pour que ce qui est du domaine public revienne au domaine public. Ce qui était censé être du domaine public revienne au domaine public et ce qui est censé être du domaine privé revienne au domaine privé. Sachant que pour ce type de procédure, aucune transaction ne peut se faire à valeur zéro. Donc, il est d'usage de mettre un euro symbolique, un euro contre un euro, et M. Truchy portera les frais notariés qui permettront la régularisation cadastrale, et ensuite le géomètre de pouvoir faire ses bornages et des limitations d'usage. Voilà. Merci pour cette présentation de la délibération. Y a-t-il des observations, des questions? Oui, monsieur le. Par rapport à ce que vous avez fait une délibération, c'est à la demande du notaire? Oui. Parce que madame le maire, à l'article 14 de cette délégation, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Donc c'est pour ça qu'il y avait une contradiction entre les délégations du maire et cette délibération. Ça, je me posais si la délibération était indispensable ou pas. Oui, c'est ceinture et bretelle, c'est vrai que le notaire est bien se protégé. Mettre le mot. Bon, vous aviez les pouvoirs de le faire, de nous informer de le faire. Parce que là, sur le plan juridique, logiquement, on regarde votre délégation. Oui. C'est-à-dire que comme il y a une délégation, la délibération, ils auraient intérêt à le signaler pour la préfecture. Simplement, voilà, ça conforte. Non, ça ne conforte pas, non, non. Non, non, la loi dit qu'on ne peut pas
Une fois qu'on vous a donné des délégations, nous, on n'a pas le droit de voter. Donc, moi, je vais m'abstenir sur le vote. Cette remarque pour l'avenir. Et on va quand même passer au vote. Donc, il y a une autre remarque. Alors, qui est pour la délibération ? Pour, qui s'abstient ? 3 refus de vote. Abstention, et puis vous, abstention, monsieur Loeb ? 3 refus de vote. Vous ne participez pas au vote ? Monsieur Legros est très échaudé par certaines façons de procéder, donc elle vient se protéger par des délibérations. Donc pour ça qu'on demande régulièrement de passer des délibérations. Poser la question. Merci. Nous allons passer. Notamment imposé au tribunal administratif sur la bombe 21 ans. De quoi me parle monsieur Binard ? Il est toujours hors sujet. Non, ça a un rapport avec le notaire. Oui, mais. Vous avez envoyé directement des mails sous nos pères pour prévenir que vous alliez faire un truc que vous avez pas fait, que vous avez fait depuis. C'est normal. Donc non, vous ne devez pas intervenir dans votre temps. C'est normal. On va intervenir dans l'affaire criminelle auprès du notaire. Vous êtes plus maire depuis plus d'un an. Merci, au revoir. Je suis un citoyen. Non, en tant que citoyen, monsieur Pinard, vous ne pouvez pas m'empêcher. De parler tout le temps, de prendre la parole et de dire n'importe quoi. Oui, voilà. Vous allez vous calmer un peu. Je vous remercie. On va repasser à l'heure du jour avec donc la délibération numéro 4. Vous pouvez faire remarquer à monsieur Pinard de ne pas m'insulter. Vous pouvez également, monsieur Loeb, avoir un porte-bonne. C'est comme sur le site. Vous laissez, vous êtes responsable du site. Oui, et vous avez envoyé un courrier. De... Et ben, ça va se terminer au tribunal administratif. Vous allez sur le site de la commune, vous regardez le compte rendu, vous regardez le compte rendu. On s'en fiche. Alors moi je m'en fiche pas parce que c'est public. Il y a que des trucs de vie. C'est honteux. Vous êtes responsable, c'est honteux. C'est de la commune que c'est approprié, monsieur Loeb. Non, arrêtez. C'est bon. De toute façon, je vous ai demandé d'avoir un accès sur le site officiel. C'est la loi. Vous avez les actions. Vous avez les actions auxquelles vous avez droit. Moi je suis désolé, je ne publie pas sur le site de la commune. Je suis désolé. Et vous avez intérêt à faire la montre, vous, parce que... Rendez-nous la page Facebook de la commune. Rendez-nous la page Facebook. Je ne vous ai pas pris une page Facebook. Saint-Pierre de Montbrel. Tout le monde met Saint-Pierre de Montbrel. Je ne suis pas le seul. Moi, je me parle simplement des imbécilités vraiment mensongères sur le compte rendu, sur les comptes rendus. Monsieur Binard, sur la page Facebook. Vous permettez de juger avec des propos déplacés, madame Elisabeth. Absolument pas. Tout est filmé. Donc c'est vidéo. En tout cas, officiellement, je vous demande d'avoir accès sur le site. C'est la loi. Vous avez la page de l'opposition. Comme j'ai la page de l'opposition à la région. À la Glo, on n'a même pas d'expression pour les conseillers. À la région, on a une page d'opposition une fois par an. Vous l'avez demandé ? Bien sûr. Et puis vous avez votre tribune de 1500 signes dans la Gazette, ce que vous ne faisiez pas auparavant pour l'opposition. Et vous avez également la page de l'opposition sur le site. Très content, et cela, vous n'avez jamais fait. Du moins 1500 signes. Allez-vous.